Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, hein? Ça va tranquille, au top, chez le top. Donc, en ce moment, pas besoin de salle. C'est close, les fermetures de salle, on n'en parle même pas. On va parler des trainings à la maison. Training à la maison, c'est mieux. Pour dépanner, pour garder la motivation, pour garder le moral, pour garder le mental, pour garder guerrier, garder l'espoir de baisser les bras. On se muscle avec ce qu'on a. À la maison. Pas de salle en ce moment à la maison, donc pour ça qu'il faut rester toujours motivé, rester toujours cultivé. Vous pouvez faire du sport à la maison ou à l'extérieur, apparemment 1 km vers chez soi. On va pas faire grand chose hein, pour courir. Les amateurs et les amatrices qui courent dehors des 14 km. Voilà, donc c'est pour ça, rester quand même connecté au training à la maison, c'est ce qui est important pour garder la patate. Pour garder la patate, de toute façon, c'est pour vous garder la patate. Si vous arrêtez, c'est pour vous. Si vous ne faites plus de musculation, c'est pour vous. Vous allez vous en mordre les dents parce que vous allez vous en mordre parce que vous avez passé pas mal de temps dans les salles de musculation. Si vous commencez à baisser les bras, parce que vous faites des trainings à la maison. Donc, comme on dit, c'est kif-kif, c'est juste le mental et au mode guerrier qu'il faut tenir ça. Ça, c'est pas facile. Il faut être en mode guerrier quand on aime, quand on est passionné. On y arrive avec la force, avec la joie, avec la pêche. Moi, je fais de la musculation avec la pêche, avec la dignité, avec ma force, avec ma patate. C'est là que je ne lâche pas, que j'aime la musculation, que c'est pour ça que je reste dans cette voie-là. Pas pour perdre espoir. Je l'ai l'espoir, je la garde. Nous sommes tous concernés avec les fermetures de salles, tout le monde de la fitness. Voilà. Il faut faire honneur ce que vous faites à la maison. Faites des exercices chez vous en attendant que pendant l'ouverture. Donc, ne pensez pas à l'ouverture des salles parce que ça va être râpé pendant un moment. Faites à la maison dès maintenant ce que vous avez. Vous pouvez même faire des exercices sans matériel ou avec pas mal avec des sacs de pommes de terre, des oignons ou des bouteilles d'eau. Ou du sable ou du sac de ciment, vous pouvez faire pas mal de choses pour vous muscler. Celui seul qui a du matériel, c'est le top. Celui qui n'a pas de matériel, mais le top quand même parce qu'il aura fait des efforts. Les efforts se payent, la souffrance se paye. Quand vous êtes passionné de quelque chose, il ne faut pas lâcher ce que vous aimez. Restez cultivé, restez motivé, restez vous-même, surtout à la maison, c'est pas facile, mais faut garder quand même la banane, la pêche. Faut garder la pêche. C'est tout, c'est la pêche. Y a que la patate qu'on peut réussir. C'est pas on va les chouiner dans un coin. Oh, la salle est fermée. J'ai pas de coach sportif. J'ai personne pour m'aider. Oh. Ça, gardez l'honneur. C'est l'honneur qui fait l'union, la force. Eh oui, c'est la force qui fait l'union. Et la patate qui fait l'union, la motivation qui fait l'union, la force mentale qui fait l'union. Tout fait l'union avec la pêche, avec être pensif. Ça ne sert à rien. Vous exercez votre exercice à la maison, ça ira mieux. Mettez un coup de boost, mettez du moral
Et vous allez voir que vous allez choper la patate comme Batman Fitness. Eh ouais, moi j'ai toujours chopé la patate. Eh oui. Eh oui, moi, alhamdoulilah, j'ai un peu ce qu'il faut à la maison, je suis heureux. J'avais mal dormi pendant le premier jour de reconfinement. Là, aujourd'hui, ça va mieux parce que j'ai reçu un gros bébé là, chez moi là. Voilà, vous avez fait cette vidéo là. J'ai pas mal de choses pour me débrouiller. J'ai ma façon pour m'entraîner. Je me plais. J'aime ce que j'aime. J'aime ce que j'aime. Je suis cultivé ce que j'aime. C'est là qui m'a rendu cette force-là et mon honneur et ma patience parce que j'aime. Vouloir aimer ce que vous aimez, ça vous donne plus de morale, plus de motivation et plus de choses dans la réussite, dans le monde de la musculation. C'est pas en baissant les bras ou en faisant ça, faut toujours garder la niaque. Faut toujours garder le sourire. Faut toujours être joyeux. C'est pour ça moi j'ai ce que j'ai, moi j'ai une grosse clé de valeur qui est très très chère. Sur ce, les amigos, les amiguettes, les fraisards, soyez patates, guerriers, guerrières, et ne lâchez pas. I wanna to biceps, big chest, big cube, big arm. À la prochaine.